Salut à tous les amis, c'est Alfragor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les contes de Runeterra, toujours sur Ionia. Enfin, cette cinématique qui a été teasée il y a enfin pas il y a très très longtemps, mais il y a un certain temps quand même. Je vous rappelle que les contes de Runeterra, Ionia, il y a, enfin pas Ionia, mais toutes les régions, il y a eu une cinématique par région pour l'instant. Enfin, pas toutes, il n'y a pas Bijouateur, Targon, mais il y a Ionia, les Îles Obscures, Demacia, Noxus, Freljord, Piltover et là Ionia. Pour la sortie officielle du jeu de cartes de Legend of Runeterra qui se fait le 30. Et le 30, comme je dis, on s'attend à une grosse, grosse mage avec beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de trucs intéressants, de nombre de nouveaux decks énormes, on s'attend aussi. Mais bon, là on est là pour la cinématique sur Ionia. Comme j'ai dit, elle est là depuis. Enfin, on l'attend depuis un certain temps parce qu'elle a été teasée il y a un certain temps avec Shen et Akali. Et on va voir ce qui va se passer. Hein. On est très content. Je suis très content de voir cette cinématique que j'attendais quand même, je l'avoue. Je l'attendais assez impatiemment, cette cinématique. Sur ce, du coup, on est parti. Que se passe-t-il quand un étranger détruit l'équilibre de cette terre? C'est une autre de tes devinettes, vieillard? Plutôt un examen. Un Noxien. On ne coupe pas les arbres gardiens. Je vais lui donner une leçon. Avec ton acier. Oh, mais c'est un gosse! Tu n'es qu'un gosse? N'approche pas! Adorable. Il est chaud, le sapin. Chaîne déconne zéro. Oh, référence ce skin Galère. L'enfant a éveillé le protecteur du sanctuaire. La colère de la forêt l'anime. Akali, non! L'équilibre doit être rétabli. Faut vraiment suivre les règles? Ce n'est qu'un enfant! Aidez-moi, s'il vous plaît! Allez, allez! Désolé, petit, ce machin veut ta tête! Un échange? Enterre ça! Quoi? La graine! Plante-la! Maintenant! Tieten! Keshti! Allez, Vincent! Ah, il est content. Si tu blesses cette terre, elle te blesse en retour. Senzi Teshisoshi. Oh là là! Énorme! Elle est énorme! Super classe! Y a rien à dire, hein. Ultra stylé la cinématique. Vraiment, vraiment très très classe. On va retourner au début du coup. Ah, en plus, on le voit le gamin, il est juste là. Bon, vous ne le verrez sans doute pas sur la vidéo si vous êtes en plein écran. Mais on voit le gamin qui est juste là. Bien sûr, je vous mettrai la cinématique en description toujours. Du coup, il y a Kelly, il y a Shen qui veut lui filer une leçon. C'est une autre de tes devinettes, vieillard.
Plutôt un examen. Ouais, regarde. L'examen, du coup, Shen, il est au courant de ça. Et il veut, du coup, il veut l'enseigner à Kali. Il veut lui montrer l'exemple ou faire quelque chose. Noxien. Et elle, un peu déterre. Hein. Je vais lui donner une leçon. Avec ton acier. Elle est toujours. Mais t'as pas vu que c'était un chou? Ce lama. Tu n'es qu'un gosse. N'approche pas. Très stylé, Akai. Akai, très stylé. Il y a beaucoup son. On ressent bien son caractère. Adorable. On ressent vraiment son caractère à Akai. C'est très très classe. Et là, ah ouais, ça. Alors, l'arbre gardien, du coup. Les arbres gardiens de Ionia. Alors, je connais pas beaucoup Ionia, j'avoue. Mais excessivement stylé. Du coup, ces arbres gardiens qui donnent vie. Enfin, des sortes de gardiens. Du coup, ce serait quoi? Des sortes de héros de la faille. Mais ça ressemble plus à une sorte de roncier rouge et de bleu. Une sorte de fusion des deux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Du coup, il a coupé l'arbre qui était au-dessus. Et il se réveille pas content du tout. Très stylé. Akali d'ailleurs, totalement choqué. Merde. Totalement choqué, Akali. Ça, on le voit. Qu'est-ce qui se passe? Vois ce que je vois. Et Shen, il est monstre. Il est clairement représentatif de... Je suis... Ah oui. Alors ça, référence à... je pense, vu les couleurs utilisées, référence à son skin KDA. Je pense que c'est une référence à son skin KDA, après c'est pas sûr, mais je vois ça comme ça. Les graines. L'enfant. Ah, ok, je vois, c'est pour ça qu'il y a pensé, elle a vu les graines vertes pleines de vie. Sanctuaire. Et la haine du coup, du gardien vers le gosse. La colère de la forêt l'anime. Akali, non ! Ouais. Déter, hein. Les chaînes qui disent non, non, laisse faire. Alors, l'épée de chaîne. Bon, l'épée de chaîne qui fait un truc qu'il peut pas faire en jeu, c'est-à-dire se projeter. L'équilibre la doit être rétabli. Faut vraiment suivre les règles, ce n'est qu'un enfant. Assez stylé. Alors, la smoke. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de références. Le gamin. Machin veut ta tête. Ouais, ça plante, du coup. Mais il est vraiment stylé, hein, je trouve, ce. C'est vraiment, il pourrait clairement, vraiment être très très classe. C'est vraiment une sorte de fusion entre le roncier rouge et le bleu. Hein. Pour moi, c'est vraiment une sorte de fusion. Et Shen qui voit tout, du coup. Alors, est-ce qu'on a des détails sur... alors, je vais pas vous faire. Ah ouais, d'ailleurs, le petit parchemin a fait d'eau, au calme. Est-ce que sur la vision de Shen, on a quelque chose? Oui, ça change de couleur. Regarde. On voit que ça change de couleur. Donc il est content. Ok. Donc ça a réussi. Et Shen, ah oui. Alors très content. Si tu blesses cette terre, elle te blesse en retour. Hashtag va chercher du bois ailleurs. Ah ouais. Shen, il dit deux mots, ça fait pousser une forêt. Hiverne, il devrait être là, ça, avec. Hiverne doit l'apprécier. Et il retourne dormir. Ok, très très stylé, et ça se termine là-dessus avec le lama. Alors c'est province de Novari, ok, il n'y a pas d'endroit précis où c'est, contrairement à d'autres endroits où on avait vu, hein, par exemple à Fragor, c'était au village d'Arvong ou autre, là c'est vraiment précis, c'est juste, enfin c'est pas très précis, c'est province de Novari, ok, pas grand chose de spécial, super stylé hein, aussi les dessins. On avait quoi? On avait quelque chose comme... Bon, on avait ça en fait. On avait 10 secondes de la cinématique sur les 3 minutes 20. Vraiment très très classe. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de trucs sympas. Il n'y a pas de référence précise ou d'indice caché. Peut-être pour le gardien, qui peut potentiellement être une carte en jeu. Possiblement, hein, c'est possible. Possiblement, c'est possible. Ouloulou, oh, je suis parti loin. Mais en tout cas, ouais, il n'y a rien d'autre à dire à part que la cinématique était vraiment très stylée et que j'ai kiffé la regarder. Mais bon, on va remettre au début, c'était plus joli. Mais en tout cas, c'était Alfragor, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la faire et juste regarder la cinématique qui était incroyable. Je vous mettrai en description la cinématique qui est super stylée.
clairement, c'est une des plus belles, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo également pour soutenir la chaîne et pour occuper vos proches jusqu'au 11 mai. À mettre un petit pouce bleu plat d'amour, ça fait toujours plaisir. Et activer la cloche pour que je vienne vous voir dans vos rêves les plus intimes pour vous dire d'aller regarder mes vidéos. Sur ce, c'était Alfragor. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!